Et ce sera le dernier concert à Petit Bain. Et ce sera le dernier disque Mendelssohn 2021. Et ce sera un concert magnifique. Du mal comme ta seule certitude, quelqu'un seul à cette heure même où tu parles, quelqu'un seul n'en revient pas et hurle. Qui ne dort plus chez lui, qu'on ne puisse venir le chercher. Qui, de peur de la honte, quand ils briseront sa porte, s'endort déjà, tout habillé. La force quotidienne du mal, comme ta seule certitude, quelqu'un seul, cette heure même où tu parles, signe sa propre mort, de sa propre signature. Qui offre la mort de son meilleur ami, qui s'accroche encore pour tenir encore, cette nuit. La force quotidienne du mal, comme seule certitude, surpris encore qu'on te parle, ta voix, ton visage, tu ne les reconnais plus. La confiance dans le monde a volé. Ta femme, tes enfants, ta maison. Celui que tu appelles toi-même, en toi-même. Les livres, la poésie, la pensée. Tout a été volé. Quand tu le raconteras, tu ne croiras pas toi-même que cela te soit vraiment arrivé. Les coups pleuvent sur sa tête.
qu'il aura bien pu s'imaginer du bien de l'homme et de la fraternité n'empêche pas les coups, un par un, de tomber. Des hommes ignorant la lecture, la force des hommes ignorant le doute, la force des hommes pratiquant la torture, la force des hommes supportant le foot. La force quotidienne du mal, tantôt sur lui, tantôt sur ton frère, tantôt sur l'Irak, tantôt la Serbie, tantôt sur l'Iran. Sur les écrivains, sur les juifs, tantôt sur les paysans, sur les gentils, sur les doux. Sur les coupables, sur les innocents, sur ceux qui n'ont rien à foutre là, indifféremment, sur les homosexuels, sur les gitans. Force quotidienne du mal, comme ta seule certitude. Quelqu'un seul, à cette heure même où tu pars, n'en reviens pas. Et bien. Yeah.
Je vais parler lentement dans le monde entier. C'est la cacophonie. Algérie, le dernier de la famille à être né chez toi est mort il y a 8 ans déjà. La distance, la distance s'agrandit. Les photos au mur sont tellement pâles qu'elles ne sont plus jaunies. Le soleil dessus depuis longtemps, lui aussi est parti. Algérie 2019, la classe. Droite et dit comme un I. Avec ton sourire comme un doigt brandi. Droit et digne comme un I lui aussi. Tu as marché fièrement sur ton Frankenstein de président. Peut-être que tu n'as plus peur, Algérie. Mais moi, Algérie, très cher. Les sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles, Algérie. Il faut en prendre soin. Les sociétés humaines sont des écosystèmes fragiles. Le bocage Normandie. Algérie, très chère Algérie. Un pays sans juifs est un pays malade. Un pays sans juifs est un pays malade. Sauf peut-être la Sibérie nord-orientale ou la Nouvelle-Guinée Papouasie. Un pays sans chanteur est un pays malade. Lounes Matou, 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 Lounes Matou. Un pays sans juifs, un pays sans chanteurs est un pays malade. Un pays sans juifs n'est presque plus un pays arabe. Frère, si à moi, excuse-moi si je dis n'importe quoi. Oh non, pitié, ne parlons pas d'un pays juif sans arabe. Certains, mes ancêtres,
vivait lourdement hors l'emsen. Certains mes ancêtres sont tentés lourdement hors l'emsen. Certains vivaient là depuis le 15e siècle, l'exil d'Espagne. Certains étaient là depuis peut-être bien avant la conquête des Arabes, depuis les tribus juives berbères qui peuplaient les montagnes de Kabylie longtemps, longtemps, longtemps avant ta naissance, Algérie. Mais ce n'est pas une compétition d'ancêtres. Ce n'est pas une compétition d'ancêtres. J'écoute Abdelkader Chaoui. C'est magnifique le Chaabi. C'est beau comme du folk. C'est beau comme de la vraie country, mais c'est plus beau encore puisque c'est de la musique orientale. Et la musique orientale est infinie. J'écoute Ferhat, Renette, Loranez. J'écoute Idir, Ah, Vava, Inouva. J'ai la gorge qui se serre, je suis saisi, j'ai le cœur qui se brise au son de la voix de cette femme qui entonne la mélodie. Et j'ai pourtant l'impression d'être étranger dans ma propre nostalgie. Imposteur, imposteur dans ma propre nostalgie. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays qu'on n'a pas connu, ou bien c'est normal. C'est étrange d'avoir la nostalgie d'un pays justement disparu, ou bien c'est normal. Nostalgie de l'Atlantide, pays englouti. C'était pas une façon de se dire au revoir, Algérie. Ce n'était pas une façon de se dire au revoir, chante Leonard Cohen sur la chaîne IFI. Plus il a vieilli, plus il ressemblait à mon grand-père, Léon Boisis d'Algérie. Leonard Cohen sur la fin de sa vie. Ce n'est pas une façon de se dire au revoir. C'est triste pour les Juifs algériens. C'est triste pour les Algériens, c'est triste pour les Harkis. Avec les collègues, les amis, Karim, Mouloud, Mourad, Kamel, Farouk. On n'en parle jamais de toi, Algérie. Tu es comme une onde qui plane au-dessus des conversations et des rires, comme un nuage d'octobre en montagne de Kabylie qui fait du froid et du sombre, même en plein cœur de l'après-midi, comme une ombre qui surplombe. Ambiance de plomb, on n'en parlait jamais de toi, mais tu étais toujours là, Algérie. Bouche tant de morts, tant de morts, tant de morts, 54, 55, 56, etc. Tant de morts, tant de morts, 91, 92, 93, 94, etc., etc., etc. Il ne reste plus grand monde à t'avoir connu à l'époque, Algérie, je t'ai dit, Henri est mort.
les grands-pères bien avant lui, et les oncles, et les tantes, et les grands-cousins disparaissent. Les gens disparaissent, et leur mémoire meurt aussi. Les gens meurent en exil, et leur mémoire s'exile aussi. Les gens disparaissent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne voulais pas parler de ça. 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 Mais je ne voulais pas parler de ça. Mais je ne voulais pas parler de ça. Et je ne voulais pas parler de ça. 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 Moi le faux juif disparu à l'intérieur de lui-même. Mais je ne voulais pas parler. De ça. Moi à qui n'en a rien transmis que la peur, le secret et la honte de lui-même. Et je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Moi qui ne sais rien de moi que ce qu'on dit de lui dans mon dos, quand tout se révèle, quand les gens se dévendent dans toutes leurs bêtises. Les gens entendent, voisinent, ils entendent l'arabe ou ils entendent le juif, ça dépend simplement de leur maladie. Mais je ne voulais pas parler de ça. La France, c'est quand même terrible. Ceux qui ne sont pas anti-arabes sont antisémites. Mais je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. Il te parle comme un arabe, il te parle comme un juif, et tu n'as même pas l'honneur, et tu n'as même pas le bonheur de pouvoir leur répondre comme si. Mais quelle honte ce serait alors de se défendre de l'être. Mais je ne voulais pas parler de ça, moi, le faux juif, le faux arabe, qui peut être autre chose que cette impossibilité d'être. Moi, élevé nulle part dans la maladie, moi qui ne sais rien, moi qui ne me sens d'aucune époque, d'aucun pays. Et entre moi-même et moi-même s'étend une distance infinie. Entre moi-même et moi-même s'étend mon vrai pays, Algérie. Quand on est allé à Oran en 2004, en pèlerinage, il n'y avait pas un seul doute. Algérie, chez toi, nous étions des juifs. Pendant tout le temps du voyage, tu nous as offert ça, Algérie. En même temps que la peur et l'angoisse de marcher dans tes rues fantômes. Mais c'était nous les fantômes. On était les seuls touristes et on parlait à personne. La ville était pleine de gens qui avaient l'air de vivre, qui nous regardaient comme des fantômes, sans nous adresser la parole, peut-être par peur, peut-être parce que nous étions suivis constamment par la police, peut-être par peur d'autres forces maléfiques. La ville était pleine de gens et nous marchions dans la ville fantôme. Oran qui n'avait pas bougé depuis des décennies. Nous marchions dans le quartier juif disparu, nous les juifs disparus à eux-mêmes. Et nous marchions fantômes de juifs, juifs fantômes dans le quartier juif disparu. On osait à peine être là, on osait à peine faire du bruit. Et on est arrivé devant la boulangerie de grand-père. Et on est rentré dans la boulangerie de grand-père. Et j'ai vu que le patron savait qui on était.
Et j'ai vu que le patron ne voulait pas savoir qui on était. Et j'ai vu que l'Algérie avait encore peur que l'on revienne. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur, Algérie. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. Qui rêve encore au retour? Qui rêve encore au retour? Qui rêve encore au retour? Qui rêve encore? Qui rêve encore au retour? Moi, qui en rêve ici, écrit sur cassette en 1983, Barbara. J'ai écrit sur Karim dans une chanson ratée qui ne vivra pas, mais cette chanson pour mon ami Kamel. Et tous les enfants de Harki, et tous les enfants de Pieds Noirs, pour tous les enfants des Juifs d'Algérie, cette chanson pour toi aussi, bien sûr, Algérie. Cette heure-ci, chez toi, il doit faire beau. Il doit voler des hirondelles. Il pleut, bien sûr, sur Paris. Soleil tombe sur la mer à Oran, sur la corniche. Une mère rappelle son enfant, je la vois, tu sais, maintenant, en temps réel. J'espère qu'un jour, tu n'auras plus peur, peut-être. J'espère qu'un jour, tu n'auras plus besoin d'ennemis. Tu nous inviteras alors, de toi-même. Et nous, on viendra te visiter, nous, les descendants de ceux qui sont partis. Tu nous inviteras, et alors on viendra en visiteur, en bête touriste. Qu'en étranger. On viendra visiter ton pays, ton beau pays, Algérie. Algérie 2019, la classe internationale. Droite et digne comme Algérie.
plus quoi dire que je n'ai déjà dit. Le monde était sourd ou bien abruti. Je me croyais poète, prophète, génie. Je ne crois plus comprendre que les incompris. J'ai parlé tout seul pour des malheureux, malheureux qui parlaient seuls aussi. Et toi, ma sœur, tu parlais seule aussi. Tu t'es-tu maintenant? Je ne t'ai plus suffi. Et toi, mon frère, tu parlais seule aussi. Continue quand même. Qui sait encore pour qui être entendu un jour, mais par qui? Je lance un appel, je cherche un pays. J'écoute le silence que fait ma musique. Quel vacarme quand personne n'applaudit. Je n'ai plus rien à dire, je reste dans tes bras. J'écoute ébahi un vieux titre de moi. Et toi, ma sœur, tu chantes encore ici. Tu es mon poète, je suis ton pays. Et toi, mon frère, va continuer quand même. Qui sait, un jour on saura peut-être encore pour qui. Une chanson qui s'appelle Ville Nouvelle. Si loin,
maison légère, bord d'une voie rapide, dans un lotissement, dans une vie légère, légèrement vide, en voie d'achèvement. Ta porte en claquant fut un bruit de bricolage. C'est un endroit silencieux, couleur de village, avec ses rues au nom délicieux, sous un ciel très blanc. Par-dessus des pylônes en bordure d'un champ. Tu manges toute seule le soir au restaurant. Et tu n'as même pas 35 ans. Tu n'as pas de proches ici. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de famille. Tu n'as plus que des collègues. Tu t'accroches aux personnages de série. Tu connais leurs prénoms, leurs visages. Et tu leur donnes tous tes week-ends. Ainsi, doucement, se dissout. Dans ces espaces trop vastes et trop mal pensés, tu te sens flotter à garde le dimanche. Le samedi soir, au supermarché. Et plus la foule est nombreuse, et plus tu te sens seul. Déserté. Et tu restes là, sans plus de gestes, sans parole, prêt à tout, mais sans rien faire, à vivre. Comme vaguement, à vivre comme tout un chacun, à vivre somme toute comme tout naturellement, sans l'idée que revienne un jour l'envie d'avoir un destin, une vie plutôt que des vacances. Dans ces déjà très vieilles villes nouvelles, peuplées de vie en ruine et d'espoir se ruinant, tu écoutes de l'autre côté du mur quelqu'un se tourner en dormant. Que des regards vides devant des caddies pleins vers des voitures neuves au fond de parking dans ce monde d'embouteillage en journée désert. C'est contre les lieux de vie rond-point, ces heures de repos où tu te vois de plus en plus souvent dans un vertige de nausée, dormir, tomber
d'un sommeil létal. Transparent. Je ne rêve plus jamais que de ce que tu pourrais peut-être un jour t'acheter. Tu ne crois plus à rien vraiment. Rien ne vaut le bonheur après t'être fait bousculer, de trouver ta place dans le métro bondé, t'asseoir, fermer les yeux. Reposez tes pieds.
Vous avez 2 minutes, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Non mais pour de vrai. On va faire une chanson qui s'appelle Héritage. Ouais. Et c'est une chanson qui est pour François. Merci François. De sable, ce bout de mer, depuis la plage, rien, c'est quelques feuilles, elles étaient tombées toutes seules sur le chemin. Voilà pour toi, rien n'a porté à garder, à tenir que ce nom étrange, étranger, rien. Cette place sur un banc au soleil, notre nom de famille n'y est pas gravé. Rien, il n'y a pas de maison en Ardèche. C'était un rêve ou un mensonge, ta mère, tu sais. Rien, il n'y a pas de maison secondaire, de maison primaire, pas de voiture, pas de montre, au poignet, rien. J'ai la casquette de grand-père, un mouchoir, un opinel cassé, des livres en miettes. J'ai échoué, mon fils, je sais, j'ai échoué. Mais j'y ai mis tout ce que j'avais. Rien, c'est quelques chansons muettes à la SACEM, quelques sentiers.
chaque année. Rien, la pluie, le vent, l'eau qui coule de la Seine, un peu d'air, tous ces clichés. Rien, prends-en soin, ce sont les seules choses qui nous appartiennent à nous. Je te les lègue. Rien, si toutes ces choses existent encore. Si toutes ces choses une chanson qui s'appelle 1983 Barbara. Aujourd'hui, je m'en fous. Je me souviens de tout, comme s'il avait fait beau toute cette époque-là. Les souvenirs, c'est comme une fausse vie qu'on subit. Les souvenirs, c'est comme les films Super 8. Ça a comme sa propre vitesse, faut pas ralentir la machine.
peur de brûler ce qui reste pour prendre ça comme ça vient. Je regarde et je profite. Et je revois mes amis. Je me revois là, à ce coin. C'est fou ce que je suis petit. C'est fou ce que je rigole. C'est fou ce que je rigole pour n'importe quoi. Ma mère descend l'allée, m'appelle, et moi je souris quand elle me voit. Elle me dit peut-être qu'elle aime pas trop mes amis. Mais c'est pas grave. Plus tard, on ira quand même ensemble mettre des pétards mammouths dans les poubelles, marcher dans les roses rouges du concierge, faire du skateboard dans la descente jusqu'au virage. Je suis surpris de ne pas être mort, au moins une fois. 1982, j'étais si amoureux. J'étais si content d'être malheureux. Je croyais que ça finirait pas. Ça s'est fini tout seul, bien sûr. 1983, moi et elle, moi et Barba, on se regardait, on restait là. J'aimais sa mère aussi un peu, je crois. J'attendais devant sa porte, je restais dans l'escalier. J'appuyais à la minuterie jusqu'à ce que je parte en courant, jusqu'à ce que de l'autre côté, j'entende ta voix. Il y a eu d'autres filles plus tard, j'ai jamais compris ce qu'elles pouvaient me voir, que toi tu ne voyais pas, j'ai jamais rien compris, Baba. Tu sentais bon le parfum de ta mère. Je t'avais acheté des fleurs pour ton anniversaire. Ma mère disait que c'était des fleurs pour les cimetières. Et je t'envoie plus tard, sur le trottoir d'en face de la patinoire. Je te faisais signe. Je te filais mes devoirs, je te regardais les mains, les cheveux, le cou, les bras et l'endroit où il n'y avait rien sur ta poitrine. J'y pensais la nuit, je pensais le jour, je pensais plus jamais à rien qu'à ça. Tout le monde disait que je t'aimais, tout le monde savait que je t'aimais. Je prenais l'air malheureux pour te faire honte. On se défend comme on peut, tu sais, je fais toujours comme ça. Et je revois la famille d'à côté, qui étaient nos pauvres. Ça rassure, dans un monde compliqué, il y a toujours plus pauvre que soi, à qui ma mère a donné ma collection de pif et encore nos vieux vêtements, nos jouets, qui avaient un chien plus grand que je croyais que c'était possible, qui dormaient dans leur baignoire. Leur père faisait du cyclisme, un peu d'alcoolisme aussi, je crois. Sylvie, leur fille, qui était bizarre. On disait qu'elle était en retard. Ma mère disait qu'ils n'avaient pas eu de chance. Je disais qu'ils ne sentaient pas bon. Ma mère disait qu'elle avait honte que je puisse dire une chose comme ça. Ils habitaient face aux hippies. Entre eux, ils ne s'aimaient pas. Les hippies étaient jeunes et beaux, à ce qui me semblait c'était plus propre chez eux et puis plus chiant aussi un peu. Ma mère essayait de les aimer, elle avait besoin d'amis. Elle disait qu'ils étaient sympas, ils avaient des tentures au mur indiennes, des tapis inca, ils écoutaient de la musique étrange, buvaient du thé, revenaient de voyage, étaient bronzés, c'était une autre vie que nous. Ma mère essayait bien d'être à l'aise, mais il me semble bien que ça marchait pas. Je me revois avec mon père distribuer les dimanches de porte en porte l'humanité. Et je revois les voisins plus riches, des collègues à maman qui vivaient dans les petits pavillons plus chics. La lutte des classes, c'est un jardin, une table de ping-pong, une chambre pour chacun. Cheminée dans le grand salon, une voiture neuve, un frigo plein, des vacances, été, hiver, des chouettes habits. C'est propre et puis ça sent l'air.
Je revois le crépi dans notre appart. Mon père qui partait au cours du soir. Il y avait Guernica dans l'entrée. Sur les murs, peut-être un dessin de Folon. Plus un de moi, une poupée qui avait ramené pour leur retraite mes grands-parents d'un voyage à l'étranger. Il y avait l'affiche d'une ronde de petits chinois, Buster Keaton, qui souriait jamais. Tous les jours, je le regardais, je le fixais. Peut-être c'est lui qui savait. Je voulais comprendre pourquoi. Et je revois la télé, noir et blanc, et moi assis en tailleur, et la chambre et le Christ au-dessus du lit de ma petite sœur, qui était toute une histoire dans la famille que je comprenais pas. Tout ça se mélange, et la tristesse de maman, et le bruit des gens qui jouaient aux boules dehors les soirs d'été, quand on se couchait avant le soleil rouge qu'on devinait avec mon frère à travers le rideau depuis les lits superposés. On rentrait à 6h pour le bain du soir. On évitait la malade du bas de la cité qui avait notre âge et qui crachait sur tout le monde et qui promenait tous les soirs pareil avec son père. On disait la mongolienne qui faisait peur et puis la peine. À l'époque, j'ai dû tout pleurer. Je pleurais pour rien, pour la voiture qu'on changeait, pour un nouveau papier peint. Et puis je restais des heures dans la cage d'escalier à monter les étages dans le vide de l'autre côté de la rambarde, avec toujours la peur et l'envie que quelqu'un vienne et me surprenne en train de tomber. J'avais deux meilleurs amis. À l'époque, j'aurais pas choisi. L'un, sa famille était moins drôle. Son père était archi, j'ai jamais vu en dehors de chez lui. Sa mère paraissait immense, pas très facile. Et puis son frère avait la plus grande collection de comics que j'ai jamais vu de ma vie. Que des Marvel et des Strange qu'on lisait dans sa chambre, qu'on s'échangeait moi et lui. Le soir, je regardais le plafond, j'avais un laser qui me sortait par les yeux. Je testais mes pouvoirs, je pouvais tuer des gens, j'étais un dieu. Et je m'endormais comme ça content, j'étais heureux. J'écoutais le son des peupliers dans le vent, j'écoutais la respiration de mon frère, j'écoutais le bruit des amants de ma mère, elle attendait toujours un peu mon père. Je savais moi aussi qu'il allait rentrer un jour sûrement, que ça pouvait pas être autrement. Le matin, à l'école, on me racontait toujours des trucs, des films incroyables avec un mec, un maman, à la fille. Il fait tout, ah oui tout, mais quoi. On se montrait un peu fermé, le creux de nos bras apparaissait avec les filles en dedans, au milieu. C'était comme ça, et moi toujours, 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 je voulais que tout le monde m'aime. J'avais un tel besoin d'amour, il aurait fallu tout l'amour de la terre. Et que ça faisait encore pas beaucoup, pour que je me sente enfin à l'aise. Me faire aimer de la boulangère, des gens qui passent dans la rue. Faire aimer toutes les grands-mères. J'aurais demandé de l'amour à un clochard. Toutes ces histoires d'enfants perdus qu'on retrouve pas. Les enfants, leur problème, c'est qu'ils sont pas regardants. Ils prennent ce qui vient, je le sais moi. J'étais comme ça. Et je me souviens encore de mon voisin Johnny qui était nerveux, je crois qu'il a mal fini. J'ai revu plus tard que j'étais vendeur. Je l'ai laissé prendre en douce dans le magasin tout ce qu'il a vu, il a pas compris, il a cru qu'il était plus malin. Moi je me souvenais de lui qui était chef de bande, alors j'avais de la peine. Plus tard à ce qu'on m'a dit qu'il prenait des trucs graves dans les mêmes cages d'escalier où on mangeait nos chocos BN. On se tenait contre le chauffage, les jours d'hiver où il neigeait, on se partageait les gants. On attaquait en rang serré, fallait prendre tout le côté droit des immeubles bis de la cité. Johnny c'était notre chef, on serait fait prendre pour lui, on avait la fidélité. On mettait des cailloux, des calots, des billes dans la neige, au milieu des ponts, tout ce qu'on pouvait trouver. Et je me souviens, quand j'ai vu mon caillou ouvrir la tête du mec d'en face, je revenais pas. J'attendais la police la nuit, j'entendais tous les pas venir dans l'escalier. Je me souviens, la dernière nuit avant qu'on parte, j'ai senti le monde disparaître au-dedans de moi. Je regardais les valises déjà faites. J'ai commencé tôt la nostalgie. J'étais déjà tellement doué pour ça tout petit. Et je me souviens encore d'un jour, la fille de la voisine que j'aimais pas, elle me montrait tout ce qu'il y avait à voir. Et moi j'imaginais Barba. Je lui montrais moi aussi. Elle voulait que je lui dise que je l'aime.
Elle me courait après dans les couloirs. Je disais que non, je ne l'aimais pas. Mais toi, mais toi, mais toi, toi, je t'aimais. Barbara, en 1982, 1983. Oh oui, depuis longtemps, je t'aimais. Barbara, et par un de ma sœur, et ses filles, et maman, et mon petit frère, et ma petite sœur, et même mon père qui revenait pas. Je les aimais tous à l'époque, tous ces gens-là. Et Johnny aussi. Et même Sylvie qui était en retard. Je les aimais tous. Mais surtout toi. On va faire une chanson qui s'appelle La dernière chanson. Et je vais en profiter pour remercier encore une fois Petit Bain pour leur accueil toutes ces années. Et puis il y a Matt qui a fait les lumières pour nous ce soir. Merci beaucoup. Qui nous ont filé des coups de main toute la journée. Il y avait Julie, Armand et puis Yann aussi, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à Bruni pour son accueil. Puis voilà, encore une fois, Nicolas, Johannes, Marilyn, Ricardo, voilà, c'est... Merci. Voilà, merci. J'ai un petit salut amical à Emmanuel Baquet qui est peut-être dans la salle. Et puis à Mathieu aussi qui a joué avec nous à Tourcoing. Et voilà, c'était magnifique. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire ou qu'il se taise à jamais ? Je pense qu'on va pas tarder. Merci à Guillaume Ausson.
Il y a toute l'équipe ici d'ailleurs, donc le label qui nous supporte ou qui nous héberge ou qui nous produit depuis maintenant 2008, donc ça fait pas loin de 15 ans quoi. Donc merci beaucoup à eux, vraiment merci beaucoup, merci d'exister. Donc c'est Pierre-Yves Louis à la guitare. Pierre-Yves, il est là depuis 1998, donc ça commence un peu à faire, quoi. Il y a Sylvain à la batterie, qui est un petit nouveau, quoi. Il est là que depuis 2003. Il y a Jean-Michel Pires, qui est là aussi depuis 2003. Mais... Ça ne les rajeunit pas, tout ça. Et puis il y a Stéphane Burnman qui est notre petit nouveau. C'est son troisième concert. De toute façon, il n'y en aura pas 15 000, donc voilà. La dernière chanson. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Salut Olivier, comment on va? Ça fait des années. C'est la dernière chanson, Olivier, du dernier album de ce vieux groupe qu'on avait monté ensemble il y a tellement longtemps. Mendelssohn. Incroyable, tout ce temps, c'est comme s'il m'était tombé. Le bruit de rien qu'il a fait. 25 ans. Olivier, tu te souviens le célèbre imperméable bleu? On l'écoutait chez nous quand on habitait tous les deux. Tu vis pour presque rien maintenant. Est-ce que tu es heureux? Je te revois dans les couloirs de la fac, Olivier. La vie depuis nous est passée au travers, comme dit le poète. Cette classe étrange que tu avais, mon cochon. Tu vis maintenant du côté de Besançon. Je n'y suis jamais allé en concert. La bohème, c'était nous. Pas besoin d'Aznavour. Je revenais à genoux de Lyon et chez nous. Pas d'électricité, pas de chauffage, pas de lumière. Tu partais le week-end chercher 50 francs chez ton père. La semaine, on essayait d'écrire des chansons. Olivier, tu étais tellement doué, tu t'en foutais. Tu avais tout le talent, je n'avais que les rêves. L'ambition. Je me sentais Novoselic devant Kurt Cobain. Tu m'impressionnais beaucoup, tu sais. Il a bien fallu que ce soit moi, quand même, qui me mette à écrire les chansons. Et si je n'ai pas écrit trop de conneries toutes ces années, c'est un peu grâce à toi, fidélité. Je m'en serais voulu
de faire honte aux copains. Tu m'as appris à jouer de la guitare. On a appris ensemble à être humain. On habitait cette cour rue Jean-Pierre Timbaud. Je sais pas si t'aimerais que je raconte de trop. Y'a pas trop à raconter de toute façon. Le chat sortait dans la cour. On vivait dans l'obscurité. Ma première copine m'avait bien salé la tronche. Tu avais bien un peu pitié, mais pas trop. Cette histoire, ça t'emmerdait plutôt. Je chantais les chansons de Leonard Cohen comme si c'était les miennes. Je faisais bien un peu pitié, Olivier, c'est vrai. Qui sait à quoi toi tu pensais? Tu vivais toujours comme si ta vie en dépendait. J'aime bien cette phrase étrange, un peu con, mais je crois que c'est parce qu'elle est vraie. L'été, on zonnait au Père Lachaise. C'était nos vacances à nous, plein air. Tu allais voir Proust et moi Apollinaire. On fumait des heures sur les tons. On a toujours été plutôt à l'aise tous les deux avec les morts, tous les deux de toute façon. Les morts ont la bonne dose de conversation. Et à propos de mort, Olivier, tu sais, j'ai vu un grand panneau dans la rue l'autre jour avec marqué entre guillemets « Je ne veux pas mourir ». T'imagines la surprise, l'effet que ça m'a fait 25 ans après. Oh non, bien sûr, je ne crois pas que c'était rapport à la chanson. Un jour, tu as décidé d'arrêter la musique. Quel mystère, quel drôle de suicide. Un musicien comme toi aurait pu devenir Charlie Eden, Brian Jones sans la piscine, McCartney sans les Wings. Je nous voyais grandir comme les Beatles, Lennon, McCartney, Boisiz, Feijoo. Et regarde, je finirai chanteur français. C'est la dernière chanson, Olivier, du dernier album de ce vieux groupe qu'on avait rêvé ensemble il y a 25 ans. Incroyable qu'on soit toujours vivant, bonhomme, même si je meurs un peu ce soir. Avec la mort. Demandez-le ça. Alors salut Olivier. Et salut à tous, public invisible. 25 personnes dans un café. Pas la peine que je m'étende. Entre vous et moi, vous savez. Salut Meir, où es-tu aujourd'hui? Salut Bruno, Quentin, Charlie, comment bien? Salut Emmanuel, très cher ami Emmanuel. Salut Vincent, label Lithium. Merci Vincent. Merci pour moi. Merci de la part des 25 personnes. Salut Stéphane, ici d'ailleurs. Merci Stéphane. Merci pour le sauvetage. Merci pour Brunois. Merci pour l'accueil.
Salut, Fabrice connaît ça. Nicolas Becker. Salut, les frères Loro qui jouent ce soir à la Maroquinerie. Quel dommage. Frère Laurent, NLF, Trio, Prohibition, Prohibited Records, vieux compagnon de route. Salut, Julien Bassouls, mon Broadway, Danny Rose. Salut, Cécile, Life, Live, Pascal, Tipex, Florent, de Soyuz, pas... évident de trouver des concerts pour Mendelssohn, groupe obscur, inconnu, mythique, culte, mon cul. Salut Noël. Salut Dominique Marie. Je me souviens de tout, Dominique. Merci. Dominique, tu m'as emmené chez le noir en faire une white session. Salut Dominique. Salut JP, salut Guillaume au Chili, salut vieux Bipi, salut Stéphane, bless, sois béni, bless pour Mendelssohn le cinquième, salut Christophe Marais, salut Stan. Salut Michel. Salut à toi, Nicolas, mon frère. Si Mendelssohn était un seul homme, il saurait combien il te doit. Ah, il le sait, je crois. Salut Nicolas Cross, Jean-Baptiste, Julien, Stéphane, Birdman, Mathieu, les nouveaux, Guépard, Fantôme. Salut Pierre-Yves, Sylvain, Jean-Michel, les derniers. La famille, les fidèles, les vieux tontons de mon fils Gabriel. Allez, je vais encore me faire chialer. Salut Olivier, tu te souviens comment on se marrait? Comment on se marrait? Dans quelques secondes, ce sera terminé. Et j'aimerais tout faire disparaître soudain. Ces disques, ces musiques, ces textes, ces années. Partir sans laisser de traces. Effacer la mémoire, oublier la mission. Cette histoire s'auto-détruira dans 45 secondes. Ce serait beau à la fin, ce serait comme si j'avais tout rêvé. Mais c'est ce qui arrivera de toute façon à la fin des fins. Olivier, tu sais, je ne crois plus tellement en la postérité. J'espère qu'on en aura suffisamment profité. Le temps. 25 ans.
que ça aura duré. Ah, salut Olivier, je suis bien heureux quand même. J'espère que toi, tu es heureux là-bas dans ta campagne. Tu sais, finalement, ce n'est pas si désagréable de mourir un peu. Mendelssohn, Jean-Michel, Stéphane, Pierre-Yves, Sylvain, merci beaucoup. Merci. Que là, c'était pas mal. Ça va, vous avez 5 minutes là. Je resterai pas avec vous toute la nuit, hein. On va faire une chanson qui s'appelle Pas d'autres rêves. C'est comme Ville Nouvelle, ça, c'est l'unanimité. Un petit salut amical aux gens qui filment, là, notamment Renaud Cargo et puis Benoît Lesieux. Benoît. Ouais. Benoît, je ne sais pas depuis combien d'années il filme les concerts de Mendelssohn, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il a une collection incroyable. Lui, il croit à la postérité, sinon je ne vois pas pourquoi il fait ça. Donc voilà, si jamais vous nous cherchez, Mendelssohn, à partir de maintenant, on sera chez Benoît.
Pierre-Yves est impatient.
n'y a pas de histoire à raconter. Il n'y a pas d'autre rêve, il n'y a pas d'autre monde réel. Il n'y a pas d'autre histoire.